Pour modèle compassa d'ici Pape Joya, équipe sérieux production dit yo pas karete bois croisé ou yo pas fait moun ki wes nan Florida danser compa disciple de Gazman couleur ça. Conseil a invité ou vin la ite kor nan disciple jou samedi 16 septembre 2023 nan Lounge Club 2405 North Boulevard Roosevelt, Key West, Florida 33040. Nyon Zegbay, DJ Teano et Joe Mix. Admission $50 à l'avance. Pour toute information, relez nan 305 990 6281. 305 884 0390. Tout moun Key West, Florida, marqué date ça, 16 septembre 2023, d'ici pap nan zone nan. Équipe sérieux production di ou nan bal disip sa VIP a pral yon lodge. Tout moun Key West Florida c'est là pour là et puis vin ramasser compa disip. Show my life. C'est Show my life. 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 Haïti chérie, haïtien, qui nous demande. Ouais, mais même, de vous donner des besoins, de bons compas pour une bonne information, son seul show branché. Show Mike, live. Et les gens live, yo. Puis bon bagay, yo. C'est lui, lié. C'est lui qui a fait causer. C'est lui qui a fait compas ici. Ça qui est. Très bien, Kenny. Donc, je salue, non? Merci. Et bien, à tout le monde qui fait nous confiance, qui croit que. Justement il me sont ça gagne golot ba gagne l'autre couleur et que n'a porté dans secteur et merci parce que eh bien vous continuez merci parce que vous continuez quoi dans nous et ceci n'a pas continué bataille et bien pour que nous porter pour tout ça qui a passé dans secteur et de comprendre nos série de dossiers madame monsieur t'as dit non et pas oublier au même que eh bien au niveau donc des États-Unis au besoin fil programme Biden non au besoin renouveler carte de résidence ou besoin eh bien gérer papier notarié ou besoin tout simplement et gérer question TPS ou asile politique eh bien quel que soit ça que ou besoin gérer dans question dans domaine immigration pas un problème rendez-vous voir ou en du moins la solution n'est autre que Ezipo Rental madame monsieur justement. Les numéros c'est 561-704-0604, 561-774-4263. Donc relez le numéro de téléphone pour que vous preniez service que eh ben y a bah ou en madame monsieur. Il s'appelle Ricky the Best featuring Woz. Le titre c'est Conscience Moyenne disponible sur eh bien YouTube. M'a demandé nous à le supporter, à le baron, si love vous nous guys. Merci bien. On a pu remarquer Dinner Saïd qui porte un t-shirt qui gagne ses couleurs, équipement justement que eh bien, jeune garçon ça qui est le monsieur le Emile Conradsen Saïd. Emile Conradsen, donc Saïd, madame monsieur, Dinner Saïd, eh bien, qui portait donc maillot monsieur. Et il y a monde qui dit que est-ce que Dener Seyid c'est papa monsieur? Est-ce que Dener c'est papa monsieur? Monsieur fête le 3 septembre 2001 à Fensnes en Norvège. Monsieur fête justement le 3 septembre 2001
à Fensnes en Norvège, madame, monsieur. Monsieur, c'est un footballeur norvégien évoluant au poste d'ailier, ok, d'ailier en US Sassuolo. Ok. Maintenant, le fait que yo wè Denis Saïd pote et Mayou monsieur a, et après le garder pour wè madame monsieur, on va aller donc comprendre si effectivement et ben Denis Saïd c'est et papa monsieur lié vrai. Est-ce que le cas papa monsieur garder pour wè Mayou a écrit Saïd nan do? C'est exactement Mayou que footballeur et Sassuolois habitué porter, et bien que Denis Saïd porter madame monsieur. Monsieur fait en Norvège, il dit nous selon information que et bien nous gagnons, et bien maman monsieur c'est norvégienne que maman monsieur est. Maman monsieur c'est norvégienne que lié madame monsieur. Est-ce que Denis Saïd a rencontré sa mère, soit en Norvège, en Amérique, je ne sais pas. Mais nous allons le faire si garder pour nous exactement qui ça, maman monsieur, a réglé. Est-ce que maman monsieur a un lien avec le pays d'Haïti? Est-ce que nous allons regarder, est-ce que maman monsieur a un lien avec le pays d'Haïti, madame monsieur? Maintenant, où c'est maman? Moi, toi, tu as vu de la la. Ça fait sa famille. Sur nous la voix de nous mêmes. Jusqu'à nous. Et puis, plein, nous plein, foncez la tête nous. Nous voilà le faire le beau. Yo 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 yo. Sur nous la voix. Ok. Est-ce que Denis Saïd Capron Mayo se mettait sous lui au hasard? Pour qui ça c'est ça monsieur mettait? Est-ce que monsieur gagne lien familial ensemble avec joueur? Li gagne droit pas petite monsieur mais yo gagne droit famille parce que nous joine information sous maman monsieur mais nous pas joine information madame monsieur sous qui est et ben qui papa monsieur. C'est pas parce que deux monde gagne même signature qui fait que yo c'est frère et sœur, qui fait aussi maman à petite, qui fait aussi papa à petite madame monsieur. Ligue doit faire de manière accidentelle. Accidentellement ça peut arriver, mais tenant compte de Denis Saïd, tenant compte de Denis Saïd madame monsieur, le nous connaît qui type de monde monsieur est. Est-ce que monsieur t'apprend le porter yon maillot? Yon jouait par hasard. Qui côté? Maman monsieur, j'aime dire là, c'est une norvégienne. À tout quel amour jaillit. À tout quel amour. Haïti c'est moi pour ça. Sa mère et Engville Konrad Sen Seid est une norvégienne. Est une norvégienne, madame monsieur. Qui est responsable? Qui est responsable de Project Haïti? Maman monsieur c'est un norvégien nirelé Engville Konradsen Seid, c'est un norvégien et bien qui responsable de Project Haïti. Ben Project Haïti c'est une organisation humanitaire norvégienne à but non lucratif axée sur l'éducation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat social. Ah.
Eh ben, moi, on va là, monsieur. Sa mère, justement, Ingvild Konradsen Seid, est une Norvégienne qui est responsable de Project Haïti. Project Haïti, madame, monsieur, c'est une organisation à but non lucratif, c'est-à-dire, c'est pas une organisation qui l'a, eh bien, qui a fait l'argent. À but non lucratif qui est axé sur eh bien, l'éducation. Je travaille dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat social. Est-ce que nous comprenons, madame? C'est-à-dire que c'est maman, monsieur, qui est responsable de l'organisation. Project justement, eh bien, Cap Travail, une organisation humanitaire haïtienne. C'est une organisation humanitaire haïtienne, norvégienne. C'est-à-dire, il y a une organisation qui, ou t'es qu'à dire, c'est haïtien et norvégien qui constituent, qui fait. Haïtien et norvégien qui fait. On dit une organisation humanitaire haïtienne norvégienne à but non lucratif qui travaille dans le domaine éducation, formation professionnelle, entrepreneuriat social. Yo blood. Est-ce que Dener Seid, le fait que eh bien ce gars ait créé un titre Diamant en Bidonville où il a parlé de l'éducation qu'il faut octroyer aux enfants des quartiers défavorisés en Haïti. Par rapport à cette organisation qui travaille dans le domaine de l'éducation dans le pays d'Haïti, le fait que Damnan Potenon, eh bien, Seid, madame, monsieur, est-ce que quelque part c'est la gratitude, c'est un respect, c'est un love que eh bien Dener Seid voulait by appetit d'amnan, appetit d'amnan. Du moins si monsieur voulait soutenir organisation, eh bien soutenir, eh bien cette organisation devrait signifier que eh bien Dener Seid tapoté, eh bien maillot organisation. Monsieur papoté maillot organisation hein? Qu'on est à la fonale chercher qu'on est madame monsieur. Dans les prochains jours je vais essayer de trouver quel est le père justement de cet enfant. Qu'est-ce qui papa monsieur? Est-ce que effectivement c'est Dener Seid qui papa Emile Konradsen Seid, ou du moins Dener Seid gen lien parenté ensemble avec monsieur? Du moins est-ce que c'est papa Dener qui t'a fait monsieur? Est-ce que son frère Dener Seid, eh ben justement qui papa jeune garçon ça? Pas le fin de galon ba. Est-ce que nous gardez visage de mon Dieu? Gardez visage pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas un trait de ressemblance là-dedans? Gardez visage. Dis-moi si vous n'avez pas remarqué eh bien, quelques traits de ressemblance là. Mais jusqu'à présent, c'est pas parce que eh bien, deux personnes se ressemblent eh bien, qu'on peut dire qu'ils ont un lien parenté. Qui doit ressembler à une tête coupée ou pas même connaître. Mais là, c'est deux bagages différents. Dener Seid, poté et Mario Mse. Dener Seid, poté justement yon Mario Mse. Hein? Dener poté, et bien justement yon Mario Mse. Et puis, vous allez regarder maman, monsieur, qui est responsable d'une organisation haïtiano-norvégienne, madame, monsieur, qui travaille dans la question éducation. Vous n'êtes pas dit, c'est moi qui fais organisation en relais, Project Haïti. C'est maman, monsieur, qui est responsable d'organisation ça.
artiste sans qu'il y ait une vie cachée. Quel de bagay li ka pa besoin révéler madame monsieur. Ou c'est maman misère. Artiste sa gen vie cachée. Mais est-ce que nous konn qui est ce qui petit Gazman? Est-ce que nous konn qui est ce qui petit Maïsou Ali la rivière? Est-ce que nous konn petit Richie? Nous pas konnen. C'est pour une raison n'a mettons un gros applaudissement pour eh bien Denner Seyid pour Reginald Kangé. Pour Reginald Kangé, madame, monsieur. Pour Reginald Kangé, eh bien, qui justement montrait le monde, petit garçon. Bon, monsieur, il doit bien dire, c'est ça le montrer, mais nous, ouais, monsieur, c'est petit Reginald. Et ceci, monsieur, a fait tourner, monsieur, fait une tournée en Haïti avec petit garçon. Mais, n'est-ce pas, c'est petit aux États-Unis. Et puis, il vient nous faire comme là en Haïti après ça, il a dépensé nos États-Unis. Mais nous connaissons qui est ce qui est petit Reginald Kangé. Maintenant, est-ce que jusqu'à présent, c'est la question que nous avons posée? Est-ce que effectivement, c'est petit Denner Seyid que monsieur? Hein, guys, est-ce que effectivement c'est petit? Charles Mike? Charles Mas à la côté de cause, papa. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est petit? Denner, monsieur. Mais qu'on gagne barre pour qu'on ait. Denner Seyid. Patapote Mario ça. Comme ça. Monsieur Patap choisi mettre Mario à souli. Comme ça, madame, monsieur. C'est la question justement qui se pose. Est-ce que c'est vrai? C'est petit, monsieur. Comme n'est-ce pas fait conférence de presse, je pense quelque part, ça sont questions que vous devez poser Denner Seyid. Denner, vous devez faire un peuple haïtien une explication sur ça. Est-ce que c'est petit tout? Est-ce que monsieur c'est neveu? Ou du moins, est-ce que monsieur c'est dernier petit papa? Nous besoin de explication ça, madame, monsieur. Mais en partant, maman, monsieur, relé. Angeville Conladsen Seyid, qui est une Norvégienne qui est responsable de Project Haïti, une organisation humanitaire haïtienne norvégienne à but non lucratif axée justement sur l'éducation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat social, madame. C'est non maman monsieur qui a une organisation en Haïti, une organisation haïtiano-norvégienne, c'est-à-dire qui est constituée de Norvégiens et Haïtiens. C'est moun ça, c'est dame ça qui est maman monsieur. Hello, Jean-Jacques Dessalines.